J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je prends ma revanche sur Eman parce que hier, j'ai demandé à ma belle-mère de me faire des biscuits aux pépites de chocolat parce que elle fait des biscuits au gruau avec des petites pépites de chocolat, puis c'est genre les meilleurs au monde. Puis là, finalement, en tout cas, Eman a dit « Ah, oh, tu peux-tu en faire? » Puis là, parce que ça fait genre 2-3 mois que je crève ça, puis j'étais trop gênée d'y demander. Puis finalement, hier, Eman, il a dit « Tu peux-tu en faire? » En tout cas. Et là, il m'en reste genre 2, parce que monsieur les a presque toutes mangées. Donc là, j'ai vu passer ça sur TikTok, c'est le mari ou la femme, ou peu importe, même des fois les enfants prankent leurs parents. Avec un gâteau, c'est une ballonne soufflée avec de l'eau que tu mets de la crème, des petits sprinkles dessus. Et là, tu demandes à la personne qui doit être prankée de couper le gâteau avec un couteau. Et là, ça l'explose et c'est plein d'eau dedans. Donc là, je me suis dit que j'allais pranker Eman avec ça. Il est dans son bureau présentement, je parle pas fort pour ça, mais il m'entend pas, c'est sûr que non. Donc là, on va faire ça ensemble. Et désolée, je suis comme un peu à bout de souffle. J'ai de la misère avec un petit peu le souffle sédancé à cause de la grossesse. En même temps, regardez la petite bedaine. Ça commence à paraître. Ça fait bizarre de me revoir avec une bedaine déjà. On vient juste d'entendre le cœur. Ça, j'aime ça, je me suis acheté une petite machine que je peux entendre le cœur du bébé à la maison. Fait qu'une fois de temps en temps, quand j'ai le goût, que je me sens un peu plus, mettons, j'ai peur, genre, de qu'il arrive de quoi que ce soit, j'écoute le cœur, puis ça m'a vraiment gros rassuré, ça, dans nos autres grossesses aussi. Puis on dirait que, genre, parce qu'on s'est dit qu'on allait aller à Québec et acheter du stock de bébé. Puis là, genre, je sais pas, j'ai vraiment un blocage à cause des fausses couches. Genre un méga blocage. À chaque fois que j'achète de quoi, je me sens comme... Je dirais que j'ai peur parce que je me dis... Je sais pas. Je dirais que c'est comme si je veux pas m'attacher, mais genre, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer en commentaire c'est quoi ce genre de phénomène-là. Mais j'ai comme un blocage d'y acheter du stock. Tu sais, j'ai en acheté un petit peu, mais pas vraiment. En tout cas, je sais pas pourquoi on est rendu là. On parlait de prank, là, ben, je parle. Typical Pris. Alors, c'est parti. En passant, si vous vous demandez, ma robe vient de où? Elle vient de chez H&M. Oh, il y a un écureuil, là. Elle vient de chez H&M et c'est pas une robe de maternité. C'est juste une robe bien normale comme ça. Elle est belle. C'est juste que j'aimais ça parce que, genre, on dirait une robe de maternité à cause c'est comme étiré, là. Donc là, je vais remplir la ballonne d'eau. C'est moi qui vais sprinkler moi-même, finalement. Je fais comme... J'avais pas dû l'enlever. Bon, on n'aura pas le choix. Papa, il est où? Il est dans son bureau. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je fais un prank à papa, venez voir. Oh, j'ai un set de prank. Merci. Vous allez vous m'aider? Oui, mais ce qu'on va faire? Oh! Là, dans le fond, il va penser que c'est un gâteau. Mm. Mais ça va être... Une ballonne d'eau, fait que quand il va pisser dessus, il va avoir plein d'eau qui va voler. C'est correct. Si c'est correct. Oui. Puis là, faut la mettre de même. Es-tu trop grosse? Non, ça va. Il va passer son gâteau. Il est pas bon, il est pas bon en cuisine. Fait qu'il connaît absolument rien. Il va juste se dire, genre, le gâteau est fait de même, il ne catchera pas, genre. Allez chercher des chaises, on va s'installer là. Ok. On va le décorer ensemble. On va prendre ça, c'est sûr, c'est sûr. Coucou. Hein? Mmh. 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 Elle a arrêté de manger ça. Il n'en aura plus. T'as vu ça? Il va penser que c'est un gros gâteau rond. Ouais. Oui. Okay. Oh, mais moi, je vais manger un bon. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire, là. Quand ça va éclater, là. Si vous voulez le faire, vous avez besoin d'une ballonne, de l'eau. Un truc comme ça. Et là, après ça, il des sprinkles. Oh oui, que... Mais là, j'avoue que le rose, même si on voit du rose, il va penser que c'est des bonbons. Ouais. Hein?
OK. Ça sent comme un vrai gâteau. Ah, mais il commence à ressembler à quelque chose. Ah. On s'en rend pas compte, hein? Le plan, OK, c'est d'amener le gâteau dans la salle à manger, là. On va dire qu'on fête avec la Team V le gâteau du bébé, OK? Ah, oui, oui. Papa? On a fait une surprise pour toi, moi, puis les enfants. Est-ce bien avec moi? C'est vrai! Oh! Oh! Vous êtes bien belle, en plus, les filles, bienvenue, c'est beau! Regarde pour moi! Ben, c'est pour toi, mais dans le fond, c'est parce que c'est pour fêter le bébé, tu comprends? Oui! Fait que là, tu vas aller ta salle là. Okay. Puis c'est toi qui le coupe. Okay. Parce que on a une surprise. Hein? Qu'est-ce que tu ris, Bine? Pourquoi tu ris, Bine? Parce qu'elle mange. T'es contente? T'es contente? Elle a mangé du sucre. On mange ça. On mange un parti au magasin? Ouais. Vite, vite. Okay. Une petite pointe. Tu la mets de gâteau ou? Ah ouais, amène-le, puis je vais aller chercher les ustensiles. J'ai les ustensiles. Bien! Les enfants? Oui, vas-y! C'est vrai? Les ustensiles? Quoi? Mettez-vous là, les enfants! Ça t'apprendra de manger tous mes biscuits au chocolat! J'ai de l'eau là-dedans! J'ai l'eau au chien! Je vais aller dans la piscine de mes culottes là! Oh, bizarre, les enfants! C'est l'enfer! Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Pinky! Non! Hey, non, il y a de la. Pinky! Pranky, mais ouais, Pranky, on va t'en faire des Pranky! Maintenant, tu peux le ramasser! Non, c'est vrai! Tape là-dedans! Chase qui a fait un prank! Oui! Hey, on l'a eu d'aplomb, hein? Oui! Alors, on est aux galeries de la capitale après avoir eu le petit prank de maman du gâteau qui m'a explosé en pleine figure. On est maintenant rendu aux galeries de la capitale. Et là, aujourd'hui, Ezekiel, qu'est-ce qu'on fait aux galeries de la capitale? On magasine pour la première fois officiellement pour la petite fille qui s'en vient. Notre troisième. Marina, est-ce que t'es contente? Oui, c'est ma amie. C'est ton amie? Oui. Oh! Elle veut partager avec elle. Oui, elle va partager. Un matin, elle disait pas qu'elle voulait partager, par exemple, mais t'es marabout. Et là, si les enfants sont gentils, on va aller dans les... Manèges! Les manèges! Je m'en dis! Oui, attends. C'est quoi? Les manèges sont là-bas, l'autre bord du mur. Bon, nous sommes maman. Pour faire des dodos. Oh! Ah, il n'y a pas ça à Trois-Rivières. C'est immense, ça. Tu veux le tenir? J'ai cherché sur une petite barre ici. Tu peux l'accrocher, ça, ici, ouais, c'est ça. On va prendre les deux. Je vais prendre les deux. Chérie, t'es vraiment belle. Hey! Ouais. C'est vrai, elle veut avoir un collier comme ça. Un collier pour que le bébé mange ça. Mais mange ça, on s'entend. Allez, prends-les, là. Mais l'autre couleur, ok? Pas gris, là. Gris, c'est correct, ça va être tout petit outfit. Ah, ouais, ok. Ah, là, c'est le truc d'affaires. Lâchez-vous. Regarde, une tisse pour toi ou pour le bébé? Un bébé. Ok, ça c'était pour toi. On repart à zéro, les amis. Il me reste juste, j'ai juste ma poussette. Puis j'ai un truc, genre de grosse station, là, que le bébé peut jouer. En tout cas, on a encore ça. Oui. Il nous reste deux affaires. Oh, je l'ai marqué. Mais... Mariana, passe ça. Mariana capote ses affaires de bébé. Regardez ça, comment il est beau. On n'a jamais vu un beau de main. Il est plus beau en montée. Va le montrer en démo. Je sais pas ce qu'il est. Il est vraiment parce qu'il est vraiment beau d'habitude, ces jeux-là, c'est comme pas super hein, beau. Non, mais regardez, il est genre tout en bois. Il est vraiment beau. Tout en bois, avec des couleurs pas trop flash, tu sais. C'est ça. Regardez ça comme il est bon. Fait que là, on laisse les filles chez Claire's. Marina voulait vraiment venir ici. Ben, t'es prête? Tu t'es pris en sac, hein? Elle-même. Bon magasinage. Merci. Bye, Ben. Bye.
Bon, Ben, montre-nous ce que t'as acheté chez Claire. Waouh! Wow, ta facture, hein? Un collier. Hey, Mariana, elle adore les bijoux. Waouh! Il est dans ma boîte. Tu vas mettre ça le matin quand tu te lèves? J'ai pris ça aussi. Oh, c'est très bien ça. Les bagues. Un autre collier avec un bracelet qui brille comme ça. Un petit foulard comme contente. Ça pour les cheveux. Puis, qu'est-ce qu'elle s'est pris d'autre? Ah oui, des barrettes. La Claire, c'est Mariana bord en bord. Là. Non, c'est ma. Puis, ah oui, un épicile. Comme ça. Wow! L'amour. C'est beau, hein? J'ai l'amour. C'est beau. C'est tout? Ah, mais c'est. Contente. T'es contente? Regarde, on va te l'accrocher comme ça. Elle vient jaloux parce que rien. Bon, franchement, ça coûte rien ces affaires-là. Oui, mais. T'auras de quoi tantôt, t'auras quelque chose. J'aurais quelqu'un, moi. Fait que là, on s'en va chez Bath & Body Works parce que madame, elle a hâte à l'automne. Fait qu'elle va aller s'acheter des odeurs d'automne. Oui, j'ai hâte, mais là, je vais encore profiter de l'été un peu. Elle est tannée de l'été, imaginez-vous donc. C'est guéri de la chaleur. Là, je vais être au froid, dans des couvercles, à côté du feu. Des petites chandelles, elle est déjà rendue là, elle. Moi aussi, j'aime les ça. Filles, est-ce que vous êtes déjà rendu là? Je veux savoir en commentaire si vous êtes déjà rendu là. À l'automne. À l'automne, hiver, automne. Hein. S'installer avec un bon petit livre. Je vais décorer, là, je vais décorer. Genre, la semaine prochaine, c'est décoré. Hein? Tout en automne. Pas tout de suite. J'aime ça l'automne, moi aussi, mais pas tout de suite. Bon, c'est parti, on s'en va sentir des chandelles pendant une heure. What? Et maintenant, c'est le temps des. Chara! Et oui, on avait oublié de faire la conclusion. Je suis en train d'éditer le vidéo. Je suis installé ici, regardez. Je suis en train d'éditer. Et là, je viens de me rendre compte que. Elle n'a pas encore fait nos shout-out. Le président est en train de conduire parce que je suis en train d'éditer le vidéo en revenant à la maison. J'ai l'air d'un. Je sais pas quoi. Alors, voici nos shout-out. C'est celui de Priscilla. Je vais le lire parce qu'évidemment, elle conduit. C'est en dessous de sa dernière photo Instagram. C'est Elia Gilbert qui dit le petit bedon commence à pousser. C'est trop cute. Ça te va très bien. Merci beaucoup, Eliane. C'est fou comment que le troisième, ça pop tellement plus. Ça fait tellement bien une bedaine. Demandez à Priscilla, j'ai tout le temps trouvé extrêmement belle. Tout le temps belle, mais avec une bedaine, je la trouve tellement belle. Et moi, c'est Camille Bisson 97 qui dit félicitations en dessous de ma dernière photo Instagram. Moi aussi, elle dit je suis si contente pour vous. Vous faites une belle famille. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Je suis très chanceux d'avoir une si belle famille. Guys, je vous laisse. J'ajoute ce petit bout-là aux vidéos d'aujourd'hui. Et nous, on se dit à mercredi. Ça devait être une autre vidéo aujourd'hui, mais là, il y a eu des petits changements de programme. Et la vidéo de mercredi va être très, très, très drôle. Très drôle. J'ai hâte de vous montrer ça. Merci. Dans le monde de la rue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié quand on poste une nouvelle vidéo. Like. On se revoit. Mercredi. Bye tout le monde. Like. 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 Like